Alors Noémie, nous y voilà, le jour J. Alors en tant que témoin, bah, avec Anouk, on est là pour témoigner. Quelle surprise! Mais oui, témoigner, reconnaître que vous êtes un couple extraordinaire, vraiment pas ordinaire. Vous êtes un exemple pour beaucoup, tant dans votre complicité, maturité, dans vos décisions de couple, dans votre envie de mettre Dieu au centre, vous êtes juste magnifique. Monsieur, bon, Thierry, à moi, déclarons prendre pour légitimer Madame Bonjala. Oui. Déclarez-vous prendre pour légitimer pour Monsieur Thierry, à moi. Oui, il y a pas. Maintenant Thierry, finalement, aucune racine grecque, aucun bouquin historique, aucun mot sophistiqué que tu connais si bien ne suffirait à décrire ta merveilleuse femme Noémie. Et oui, tu aimes résoudre des énigmes, mais prépare-toi, car aucune ne sera autant complexe que celle de comprendre qui est ta femme Noémie. Mais bon, tu as toute la vie devant toi pour la découvrir. Noémie, mon amour est ma meilleure amie. Je suis très ému aujourd'hui de me tenir devant toi, entouré par tous les gens qui nous sont chers, pour te dire mes engagements envers toi. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu le privilège de te rencontrer il y a 5 ans déjà. J'ai découvert ta joie, ton sourire, ta force et ta sensibilité. Tu m'as soutenu alors que je croyais bien souvent me suffire à moi-même. Tu m'as remis en question, souvent pour mon plus grand bien. Tu m'as aidé et tu m'aides encore à grandir pour devenir l'homme que Dieu façonne. Notre amitié, notre complicité, nos rires sont progressivement devenus indispensables. Il n'y a aucun doute en moi sur le fait que je veux vivre mon chemin avec toi, à mes côtés, comme partenaire et comme ami. Aujourd'hui, je te choisis, car tu es non seulement la femme que j'aime, mais tu es aussi celle dont j'ai besoin. Tu me complètes, tu me déranges dans mes certitudes et tu me fais avancer. Ta personnalité, ton regard sur la vie, ton énergie viennent nourrir mes journées et rendre ma vie plus belle. Thierry, il y a 4 ans exactement, tout commençait entre nous. Il y a 4 ans, un nouveau chapitre rempli de joie et de partage commençait dans ma vie. Et depuis 4 ans, je réalise un peu mieux chaque jour la bénédiction immense que j'ai de t'avoir dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante à Dieu, car il a plus que répondu aux désirs de mon cœur. Je me rappelle très bien ce fameux jour, au début de l'été, il y a 4 ans, où tu es venu me parler d'une fille, rencontrée au Mont-sur-Lausanne. Une jeune fille qui te plaisait bien, mais comment savoir si c'est la bonne? Comment être sûr? Et je t'ai répondu qu'on ne pouvait jamais savoir absolument, mais qu'il fallait faire le pas de la foi.
C'est ce pas-là de la foi que vous choisissez de faire aujourd'hui, l'un vers l'autre, mais surtout ensemble vers Dieu. Je suis heureux de t'accueillir comme fils. Il te promet le bonheur. Alors ma dernière phrase sera « Sois béni, car tu es une enfant du Seigneur. » Donc pour tout cela, je demande l'aide de Dieu et sa grâce, en comptant sur son amour et sa présence au quotidien. Je veux mener avec toi une vie de témoin, de disciple et de serviteur de Dieu. Et ainsi je prie qu'il nous donne tout ce dont nous aurons besoin pour vivre pleinement les projets qu'il en réserve pour nous. Je t'aime. Si Dieu nous fait cette joie, je te promets d'éduquer nos futurs enfants sous son regard et dans la foi. Je te promets de continuer à prendre soin de notre couple et d'accorder à Dieu la première place. Pour vivre tout cela et respecter mes promesses, je demande à Dieu son aide, sa patience et son amour. Thierry, je t'aime et je suis tellement heureuse et reconnaissante de devenir ta femme. Yeah.